prochain exercice, vous allez vous placer sur les coudes, les jambes en extension. Vous allez garder encore une fois votre corps engagé. Vous allez relaxer les épaules et tirer le cou. Vous allez plier une jambe le plus loin que vous pouvez contre le corps. Vous allez ouvrir vers l'extérieur. Quand on ouvre à l'extérieur, on veut garder les deux hanches au sol. Vous allez engager la fesse opposée et vous allez allonger. Donc, vous allez plier. On ouvre à l'extérieur, on ne veut pas que la hanche lève. Donc, on va le plus loin qu'on peut en gardant les hanches au sol. Et on ferme et ensuite, on va faire l'autre côté. Donc, on va plier à l'extérieur. On va venir vers la poitrine. On va fermer et on fait tout ça à une vitesse ralentie. Ensuite, vous allez faire la même chose, mais avec les deux, avec la jambe en extension et le pied flex. Donc, vous allez amener votre jambe le plus loin que vous pouvez en gardant le genou bien extensionné. En lien avec l'épaule, vous allez aller le plus loin possible à l'extérieur sans que la hanche lève et vous allez fermer. Okay? C'est important de... Ça se peut que vous soyez seulement capable d'aller dans un angle de 45 pour débuter. Puis ça se peut que vous alliez aussi seulement ici avant de lever la hanche. Donc, on va à son maximum. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va ouvrir vers l'extérieur le plus loin qu'on peut. Amener vers l'épaule. Et fermez. Le plus près possible de soi. On ouvre les genoux le plus qu'on peut. On vient porter le dos droit. Donc, on est assis sur l'os de nos fesses et non sur notre bas de dos. Donc, si vous ne savez pas si vous ouvrez votre fesse, vous pouvez mettre vos mains pour sentir son...
Donc, tous les prochains exercices, vous allez les faire toutes avec une jambe, puis après ça, vous allez changer de jambe. Le premier exercice, c'est une position lunge. Donc, vous allez venir porter le pied vers l'avant. C'est important que le talon et le genou soient directement en ligne. Vous allez commencer en vous assurant que vos hanches sont aussi en ligne, que votre pied arrière est en ligne avec votre genou. Quand vous avez cette position-là, vous allez pouvoir amener les hanches vers l'avant. OK? Vous pouvez mettre les mains sur les genoux ou sur les hanches. C'est important que quand vous maintenez la position, vous ayez toujours, là j'ai ma jambe gauche en avant, donc j'engage ma fesse droite et je pousse ma hanche droite vers l'avant. Donc, de la position où on était, pour débuter, vous allez venir mettre les mains au sol à côté des chevilles ou du pied. Vous allez venir allonger le corps le plus possible. Et là, on va reculer tranquillement en quatre comptes. 1, 2, 3, 4. On va reculer les fesses. On va flexer les orteils et on va garder le dos plat. Ça se peut que certains d'entre vous ne soient pas capables de mettre les mains, donc vous pouvez vous aider avec votre jambe en avant. Certains d'entre vous être capables, mais c'est important de garder le dos plat. Et on va revenir. 1, 2, 3, 4 dans notre lunge. Chose à éviter. Quand vous reculez, on ne vient pas faire un dos rond. Ça ne sert à rien, ça ne vous étirera pas. Il faut venir porter la poitrine vers l'avant et avoir le dos le plus plat possible en étirant les orteils. 1, 2, 3, 4. OK, ensuite, vous allez maintenir la position du hamstring stretch. Donc, on recule les hanches. Encore une fois, vos deux fesses vont être alignées. Donc, je pousse ma fesse gauche vers l'arrière, je flexe les orteils et je viens arquer le bas du dos, amener la poitrine vers l'avant pour avoir le dos le plus plat possible et on tient la position. Donc, ensuite, on va revenir dans notre position de lunge, les mains au sol. On va venir porter les orteils en dessous. On va venir extensionner la jambe en arrière et c'est très l'extension de la jambe en arrière est très importante. Okay? On vient pousser le genou vers le haut. On garde encore une fois une main de chaque côté, le corps actif et allongé, et on va faire des pulsations. Okay? Vous allez faire 10 pulsations vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En gardant le genou en extension, vous allez tenir pour 10 comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De cette position-là, vous allez venir faire la position du triangle. Donc, en gardant la jambe dans l'arrière activée en extension, on va venir extensionner la jambe dans l'avant, lever les orteils, on va venir pousser le talon dans l'arrière vers le sol et on va venir allonger le corps. Et on va maintenir la position. Si certains d'entre vous, cette position-là, c'est trop ouvert, vous pouvez refermer un petit peu les jambes. De cette position-là, vous allez vous balancer. Donc, vous allez venir porter le poids vers l'avant. Donc, on vient lever sur le bout des orteils. On vient mettre le pied en avant à plat. On tient pour 1, 2 et on va balancer vers l'arrière. Lever les orteils en avant, pousser l'autre talon. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. En gardant les genoux en extension, 1, 2. OK, la prochaine position, c'est celle du pigeon. Donc, on vient plier la jambe en avant. La jambe en arrière est en extension. On vient amener la rotule du genou vers le sol. On vient extensionner, on vient porter la cuisse le plus possible vers le sol. Et on vient ensuite pousser les épaules vers l'arrière. Ouvrir la poitrine, rouler les épaules, descendre les omoplates. Et on tient la position.
Pour certains d'entre vous, ça se peut que ça soit un peu plus haut, mais on veut quand même, même si les hanches sont plus hautes, on veut quand même garder le genou vers le sol. Essayez de venir engager la fesse pour pousser la hanche vers le bas. Si vous êtes confortable au sol, on veut vraiment venir travailler les épaules vers l'arrière et on veut venir extensionner le genou pour que la rotule ne soit plus sur le plancher, pour qu'on puisse vraiment amener la hanche le plus au sol possible et sentir un petit peu plus l'extension dans le fléchisseur de la hanche. Et là, on maintient la position. OK, donc tous les prochains exercices, vous allez les faire toutes avec une jambe, puis après ça, vous allez changer de jambe. Le premier exercice, c'est une position lunge. Donc, vous allez venir porter le pied vers l'avant. C'est important que le talon et le genou soient directement en ligne. Vous allez commencer en vous assurant que vos hanches sont aussi en ligne, que votre pied arrière est en ligne avec votre genou. Quand vous avez cette position-là, vous allez pouvoir amener les hanches vers l'avant. OK? Vous pouvez mettre les mains sur les genoux ou sur les hanches. C'est important que quand vous maintenez la position, vous ayez toujours, là j'ai ma jambe gauche en avant, donc j'engage ma fesse droite et je pousse ma hanche droite vers l'avant. Donc de la position où on était, pour débuter, vous allez venir mettre les mains au sol à côté des chevilles, du pied. Vous allez venir allonger le corps le plus possible. Et là, on va reculer tranquillement en quatre comptes. 1, 2, 3, 4. On va reculer les fesses. On va flexer les orteils et on va garder le dos plat. Ça se peut que certains d'entre vous ne soient pas capables de mettre les mains, donc vous pouvez vous aider avec votre jambe en avant. Certains d'entre vous être capables, mais c'est important de garder le dos plat. Et on va revenir. 1, 2, 3, 4 dans notre lunge. Chose à éviter, quand vous reculez, on ne vient pas faire un dos rond, ça ne sert à rien, ça ne vous étirera pas. Il faut venir porter la poitrine vers l'avant et avoir le dos le plus plat possible en étirant les orteils. 1, 2, 3, 4. OK, ensuite, vous allez maintenir la position du hamstring stretch. Donc, on recule les hanches. Encore une fois, vos deux fesses vont être alignées. Donc, je pousse ma fesse gauche vers l'arrière, je flexe les orteils et je viens arquer le bas du dos, amener la poitrine vers l'avant pour avoir le dos le plus plat possible et on tient la position. Donc, ensuite, on va revenir dans notre position de lunge, les mains au sol. On va venir porter les orteils en dessous. On va venir extensionner la jambe en arrière. Et c'est très... l'extension de la jambe en arrière est très importante. Okay? On vient pousser le genou vers le haut. On garde encore une fois une main de chaque côté. Le corps actif est allongé. Et on va faire des pulsations. Okay? Vous allez faire 10 pulsations vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En gardant le genou en extension, vous allez tenir pour 10 comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De cette position-là, vous allez venir faire la position du triangle. Donc, en gardant la jambe dans l'arrière activée en extension, on va venir extensionner la jambe dans l'avant, lever les orteils. On veut venir pousser le talon d'en arrière vers le sol et on veut venir allonger le corps. Et on va maintenir la position. Si certains d'entre vous, cette position-là, c'est trop ouvert, vous pouvez refermer un petit peu les jambes. De cette position-là, vous allez vous balancer. Donc, vous allez venir porter le poids vers l'avant. Donc, on vient lever sur le bout des orteils. On vient mettre le pied en avant à plat. On tient pour 1, 2 et on va balancer vers l'arrière. Levez les orteils en avant, poussez l'autre talon. 1, 2. 1, 2.
1, 2. 1, 2. En gardant les genoux en extension. 1, 2. OK, la prochaine position, c'est celle du pigeon. Donc, on vient plier la jambe en avant. La jambe en arrière est en extension. On vient amener la rotule du genou vers le sol. On vient extensionner, on vient porter la cuisse le plus possible vers le sol. Et on vient ensuite pousser les épaules vers l'arrière. Ouvrir la poitrine, rouler les épaules, descendre les omoplates. Et on tient la position. Pour certains d'entre vous, ça se peut que ça soit un peu plus haut, mais on veut quand même, même si les hanches sont plus hautes, on veut quand même garder le genou vers le sol. Essayez de venir engager la fesse pour pousser la hanche vers le bas. Si vous êtes confortable au sol, on veut vraiment venir travailler les épaules vers l'arrière et on veut venir extensionner le genou pour que la rotule ne soit plus sur le plancher, pour qu'on puisse vraiment amener la hanche le plus au sol possible et sentir un petit peu plus d'extension dans le fléchisseur de la hanche. Et là, on maintient la position.